avec moi le champion d'Europe, Cédric Vitu. On va dire alias Titi. Cédric, ça fait plaisir de te voir ici au championnat de France. Tu prépares bien ton championnat? Ouais, impeccable. Je mets tout de mon côté pour rester champion et tout va bien, ça va. Un petit mot pour le public de notre région, en Pays de Loire. Je vous passe le bonjour. Je suis venu m'entraîner plusieurs fois à Saint-Nazaire avec les Cazaux et toi aussi, frérot. Et voilà, je passe tout ça un grand bonjour et à l'Aquilon aussi, l'hôtel Aquilon Cathy. Aussi, je passe un grand bonjour. Il y a longtemps que je l'ai pas vu. On suit un petit peu ta carrière sur Facebook. Je pense qu'on est nombreux dans notre région d'ailleurs. Alors, comment ça se passe la préparation depuis? Impeccable. J'ai changé un peu les méthodes. Je travaille avec David Attias qui a travaillé 4 ans avec Floyd Mayweather. Donc j'apprends et j'essaie de me renforcer pour prétendre être un jour champion du monde. Dernier mot pour Boxing Mag TV. Merci de m'interviewer et merci pour tout ce que tu fais pour la boxe. Merci à toi Cédric parce que t'es un exemple, quelqu'un qui a fait une carrière incroyable. On a suivi un petit peu la période où t'étais un petit peu déçu par le monde de la boxe et t'as trouvé un retour extraordinaire. T'es champion d'Europe une fois, deux fois, t'es parti pour une troisième et pourquoi pas un jour, d'ailleurs c'est ton but, être champion du monde. Voilà, c'est le but ultime et voilà, c'est la preuve qu'il faut rien lâcher, même dans la vie tous les jours. On tombe mais on se relève tout le temps.